salut, vous vous rappelez de moi, je suis Ratoncito, je viens à la planète des cinq sens. Et on s'est vu la semaine passée, on a parlé de la vue. Et salut Zoé, et salut Dimitri, et t'as toujours 5 ans? Ah non, maintenant t'as 6 ans, bon, c'est cool, alors il y avait plein de bougies sur ton gâteau. Wow, trop cool. Eh ben, vous savez quoi ce matin? Quand je me suis réveillé, eh ben j'ai été voir Yvan. Vous vous rappelez, c'est mon copain, hein, le grand Yvan, là, qui est un petit peu vieux. Eh, Ratoncito, ça va, hein? Eh ben, je lui fais un bisou sur les joues, et aïe, ça piquait! Alors, il m'a dit que, à cause du confinement, qu'on est coincé dans la maison, eh ben, qu'on n'y se raserait qu'un jour sur deux. Eh ben moi, je lui ferai d'un bisou que un jour sur deux. Voilà, c'est comme ça. Et puis, aujourd'hui, moi je voudrais vous parler du sens du toucher. Mais avec quoi on touche? Ouais, Hilario, ouais, c'est vrai. On touche avec les mains, on touche avec les doigts. Allez, on fait la gymnastique du toucher. Alors, on prend les mains puis on les frotte comme ça. Tac 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 tac, très très vite, tra-tra-tra-tra-tra-tra, hop. Oh, c'est tout chaud. Allez, on frotte comme ça. Tac 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 tac, et on les met sur le nez. C'est comment? Ouais, c'est tout chaud. Ouais. Allez, on frotte encore une dernière fois. Tac 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 tac, et on les met sur les oreilles. Oh, c'est tout chaud. Ouais. Alors, ok, on peut toucher avec les mains, mais est-ce qu'on peut toucher avec autre chose aussi? Oui, c'est vrai, Martin, on peut toucher avec les coudes. C'est vrai, on touche avec les coudes. Et puis c'est vrai, Zoé, et on peut toucher avec les pieds. On enlève les chaussettes, on enlève les chaussettes comme ça, et puis on met les pieds par terre, et puis, et regardez sur la moquette, c'est tout doux. Et puis après, quand on va à la cuisine, oh, c'est tout froid et c'est tout lisse. Et si on va dehors et qu'on marche sur l'herbe, ça fait des chatouilles entre les doigts de pied. Et puis quand on va au bord du lac et qu'on marche sur les cailloux, alors ça fait mal aux pieds, il faut mettre des sandales en plastique. Voilà. Donc on peut toucher avec partout où il y a de la peau. Et regardez là, sur les lèvres, si on passe le doigt comme ça sur les lèvres, hein, ça fait tout doux et ça fait même des chatouilles. Mais ça sert à quoi de toucher, en fait? Ouais, Dimitri. Ça sert à prendre des trucs qu'on veut? Ok, ben, je suis d'accord avec toi. Mais ça sert aussi à savoir comment sont les trucs. Hein? Par exemple, si le matin, au petit déjeuner, je prends ma biscotte, je mets du beurre dessus, je mets de la confiture, et paf, je mets la main sur la confiture. Et après, paf, je mets la main sur la table. Eh ben, comment ça va faire? Ça va être collant. Voilà. Et puis, par exemple, si je prends un glaçon. Je prends un glaçon, puis je le mets dans ma main. Oulalalalala, c'est tout froid, c'est tout froid, c'est tout lisse. Et puis, c'est mouillé. Et puis, par exemple, si je mets ma main sur le radiateur, on est en hiver, il y a le radiateur. C'est tout doux, c'est tout doux, et c'est tout chaud. Et puis des fois, je mets ma main comme ça sur le mur, et puis je frotte, et puis alors, c'est tout râpeux, c'est tout rugueux. Voilà, donc le sens du toucher, ça nous permet de ressentir comment elles sont les choses. Hein. Et ça, c'est tellement important. Allez, salut les cocos, on se retrouve une prochaine fois. Salut, salut Viviane, salut Lou, salut Dimitri. Allez, oh yeah.